15 duels, aujourd'hui je vais parler de mes aventures à l'école, collège du coup. Mais je vais parler de la chose la plus récente qui m'est arrivée, si tu peux pas être sûr. Hein. Le dernier truc qui est arrivé, et j'ai eu envie de tuer approximativement 21 personnes sur 25 dans ma classe, sachant que je suis dans les 25 personnes, et j'ai pas envie de tuer parce que. Moi, je suis pas arrivé en retard, hein! Ça, on s'est abusé ce qui s'est passé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je vais me faire tuer par ce mec. Ou pas. C'est drôle, sérieusement. Donc, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que le prof, donc, c'est arrivé. C'est arrivé. Jeudi, le prof mardi dit peut-être, je maintiens le mot peut-être, peut-être je ne serai pas là. Donc, évidemment, qu'est-ce que je fais le lendemain? J'ai regardé sur l'ENT pour voir s'il ne serait pas là pour jeudi en question. Donc, le lendemain, mercredi, pour voir s'il n'était pas là pour demain jeudi. Voilà, et je vois, oh, bah il n'est pas absent. Ok, c'est trop bien. Et surtout qu'en plus c'est pour l'anglais, et j'adore le cours d'anglais. Hein, voilà. Le mec, en sixième, on étudiait les parties du corps. Il a mis du Dragon Ball Z. On étudiait les parties du corps des animaux. Il a mis Pokémon. Enfin, c'est le meilleur prof de tous les temps. Du coup, évidemment, bon, j'ai permanence parce que je ne vais pas en classique. C'est une histoire. Du coup, j'avance et je suis en retard parce que j'avais oublié quelle salle c'était. Je suis en. Oh non! Je vois des gens dans ma classe qui rentrent à l'intérieur, c'est bizarre. Et quand soudain, je rentre et là. Attends, il y a trois personnes dans la classe, plus le prof. Et son assistante américaine. Surtout en plus, c'était un truc où il y avait un truc à l'oral. Je me suis dit, non! Il me faut ce 20 sur 20! J'entends parler avec du coup l'américaine en question. Et j'entends They think I'm not here. Je suis en mode sérieusement. Alors sérieusement. Je suis nul à Minecraft. Ah bref. Je suis en mode sérieusement. Il a dit peut-être. Et puis je sais qu'il y a déjà. Et là, il y a quelqu'un d'extrêmement. Intelligente, intelligent, je sais pas, bref, personne ne sait, personne ne saura jamais. Il y a tout le monde qui lui dit non, il est pas là. Donc, on m'a raconté ça, hein, j'étais pas là. Qui dit bon, et bah ok, mais au dernier, se dit, je vais quand même vérifier. Et voilà, une personne qui était ça, une autre personne aussi, et juste, d'ailleurs, c'est génial parce qu'il y en a, il était midi, oui, parce qu'on a cours à 13h, parce que l'école est mal faite. Du coup, il y en a, ils se sont fait dégager pendant qu'ils étaient en train de manger. C'était hilarant. Enfin, ça devait être hilarant vu que j'étais pas là. Oh, presque! Donc, ça a dû être hilarant qu'il y a des gens qui étaient en train de bouffer et ils sont. Nope! Et d'ailleurs, à la fin, il y a une question que tout le monde se pose. Est-ce que tu as eu ton 20 sur 20 à la fin? Oui. Oui, j'ai eu mon 20 sur 20 à la fin. Je suis trop fort. Le deuxième meilleur, il est 18, ce qui est bien. Mais c'est pas 20 sur 20! C'était pas du tout stressant de parler à une américaine. Et que mon anglais qui est. My English isn't too bad. Bah, toi, les. Voilà, est-ce que j'ai fait exprès de parler anglais à ce moment-là? Oui. Est-ce qu'il y a des fois où je parle anglais sans faire exprès? Oui, totalement. Est-ce que je vais mourir instantanément s'il y a une armure? Ah, ou pas, parce que c'est le. Oh, shit.
Oh shit. Oh non 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 non. Alors, là, c'était moi qui ai un... Je vais pas bugger. Donc, voilà. Voilà. Il y en a plein qui sont arrivés en retard. Ça aurait été n'importe quel autre prof. Je pense qu'ils se seraient à peu près tous mangé une heure de colle. Technological. Mais tout le monde sait que... Je suis une merde. Le monde sait que les poulets sont les ennemis de Technoblade. Connu. Alors, les volets ne sont même pas ouverts. Alors qu'il est 10h. Presque 11h. Et il faudrait que je trouve une autre histoire intéressante. Mais en tout cas, ça aurait été n'importe quel autre prof. Enfin, peut-être pas n'importe quel autre prof. Mais ça aurait été un autre prof. À peu près tout le monde se serait mangé une heure de colle. Voilà. Quand même, le mec il dit peut-être que je ne serai pas là. À peu près toute la classe s'est dit il sera pas là. C'est bon. Genre, quand ma mère m'a dit. Elle était qu'à contact, je me suis instantanément dit, tiens, j'ai le Covid. J'ai pas le Covid, hein. Sinon je ne serais pas. Je ne raconterais pas cette histoire de collège. Nope. J'ai vu cette potion sous flash, je savais quel kit il avait. Instantanément remis. Du coup, il faudrait que je raconte d'autres histoires qui m'est arrivé, mais j'ai pas envie de balancer des très anciennes histoires. Donc, je vais essayer de réfléchir à des histoires bien. Genre de moi qui ai un 20 sur 20 en anglais. Ah, d'ailleurs, je me suis mis pendant toute la journée à spammer le mot peut-être pour des trucs complètement débiles. Genre, peut-être que peut-être j'ai. Enfin, et même il y a 2 jours ou au vendredi. J'étais allé chercher mes conventions de stage, du coup j'étais absent pour la première heure de cours. Et puis on m'a demandé pourquoi t'es pas là, et du coup j'ai juste spammé peut-être dans ma phrase. Voilà, j'ai dit peut-être que j'étais pas là parce que peut-être je suis allé chercher mes conventions de stage, un endroit qui est peut-être l'endroit où je ferai mon stage. Cette personne va me tuer. Je suis mort du feu en plus. Et voilà, j'ai spammé le mot peut-être. Toute ma vie. Je vais utiliser le mot peut-être maintenant. Et peut-être que je cherche des choses intéressantes à dire, mais le problème c'est que dire des choses intéressantes pendant plus de 2 secondes, c'est compliqué. Donc, finir avec une histoire extrêmement intéressante, c'est-à-dire la classe est nulle en anglais. Pas tout le monde. Il y en a qui sont pas. Nul, hein, genre le type qui est eu en 18. Même si évidemment je vais en 20 parce que Technoblade, voilà. Tuto comment apprendre l'anglais, vous regardez les vidéos de Technoblade. Vous allez devenir des dieux en anglais. Oh, régénération. Je me fais exploser parce que j'ai pas de stuff. Voilà, genre, il y a quelqu'un en quatrième. La prof, qui était ma prof principale, a demandé « Eh, vous avez fait quoi pendant les vacances? » Et quelqu'un a dit « Aïe, Looked, Series. » Alors. D'accord. Alors, de 1, Looked. De 2, tu genre, aperçois des séries télé, si tu veux. Non mais pourquoi pas, hein, si genre il y a tes parents qui regardent et que toi tu regardes discrètement, alors limite pourquoi pas, mais... C'est bon. D'ailleurs j'adore quand quelqu'un me dit qu'il n'a pas le temps de faire quelque chose, mais qu'au final il passe toute sa vie à regarder des séries et qu'au final tu lui demandes de regarder un anime et non, j'ai pas le temps. Faire défoncer. Oh qui t'a arché, t'es sérieux? Un arc, s'il te plaît, ou donne-moi un casque, ça marche aussi. Je suis passé de l'XP en arc et en plastron. Je suis full diams.
Moi, j'avais des pommes d'or. GG. You are. Juste you are. Allez, rematch. Allez, la foutre. Oh mince, j'ai quitté le rematch sans faire exprès, quoi, genre c'est dommage. Alors, si je continue, j'ai pas envie de balancer des histoires de débiles de moi quand j'étais en CE1. Qui était une année très bizarre d'ailleurs. C'est particule. Toi qui est magnifique. Pourquoi il y a un coffre qui a été drop? Wait, je peux utiliser ça à mon avantage. Tu ressources son île. Pouf! 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 Voilà. Donc maintenant il va plus vouloir venir vers moi. Oh shit, il est vraiment venu à moi par contre. Ok. Non! Ah oui, c'est vrai, je vais parler aussi de un truc complètement débile. Donc, en gros, on m'a dit, ouais, l'espagnol c'est plus facile que l'anglais. Du coup, j'ai fait la chose la plus évidente à faire. C'est-à-dire, j'ai comparé la conjugaison du verbe être et dans les deux langues. Et sérieusement, faites ça. Comparez n'importe quel mot que vous voulez. Je suis mort. Comparez n'importe quel mot que vous voulez en français ou en espagnol et ensuite regardez la conjugaison de ce mot en anglais. Vous allez rigoler. Prenez ce que vous voulez. Parce que c'est littéralement genre quasiment toujours. Il y a quasiment pas de conjugaison. Et puis après moi je me retrouve à devoir apprendre les verbes irréguliers en espagnol. Je suis en mode quoi? Alors que les verbes irréguliers en anglais je suis en mode ok. D'accord, c'est pas un grand problème, et puis il y a une certaine constance. Ça va. Puis en a, il change pas du tout. Il y a même Reed. Genre, il change juste un peu la prononciation. Ça change juste la prononciation, ça change rien d'autre. C'est Reed Velvet. Oui, j'étais confus la première fois, moi aussi. Non, du stuff. Non, mais ouvre pas la table d'enchant, bouffon! Calme. Alors que je prends la truc espagnole, c'est sur. Je ne sais pas. Je parle pas espagnol. J'ai pris option espagnole. Pourquoi est-ce que j'ai pris option espagnole? Parce que l'allemand, c'est encore pire. Tout. C'était. Le cancer ou le Covid, et je suis vacciné, donc j'ai pris le Covid. Oh shit. Voilà, non, parce que allemand c'est moche, de 1 et de 2. C'est inutile. Les Allemands, ils parlent bien anglais. Et si tu n'arrives pas en anglais, tu vas pas réussir en allemand. C'est un fait. Et les autres pays qui parlent allemand, il y a la Suisse. Ah, bah non, ils parlent aussi français. Il y a la Belle. Ah, bah non, ils parlent aussi français. Oups. À la limite. En fait, l'espagnol, ça sert si tu habites aux États-Unis. Mais moi, j'habite dans le nord de la France. Donc, ça m'aide pas de parler espagnol. Je suis allé en Angleterre plein de fois, c'est trop bien l'Angleterre. Genre, abonnez-vous à l'Angleterre, tu meurs. Quoi, il a pas été là-bas? Meurs! Voilà, on y va à cheval.
de rajouter des cheveux. Pourquoi il est aussi petit, mon cheval? D'accord. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai plus d'idées de quoi dire vu après avoir balancé la première anecdote. Et puis ça commence à être long. Que je vais m'arrêter là en fait. Venez-vous comme ça. Je vais m'acheter des bateaux. Par contre, un truc qui me choque, à chaque fois j'utilise un pack de texture Noël. Ça c'est rouge. Et ça c'est bleu. Du coup, c'est. Ça, ça a été fait pour des packs qui ont du sens, c'est-à-dire des packs où le bloc diamant est bleu. Mais là, non, il est rouge, et du coup là c'est bleu, et c'est trop bizarre. Et je comprends pas, pareil. Ah, c'est pas le bon pack. J'avais un pack où ça c'était noir, ça c'était un peu rose dégueulasse, rose clair dégueulasse, et on comprend pas ce qui se passe. Là, il y a un coffre normal, il y a un coffre de Noël, bon ça c'est. Si tu joues à Noël, c'est normal, mais. Parce que c'est un truc qui existe dans le jeu de base, en fait, le coffre comme ça, c'est Noël. Mais là, c'est les coffres de base. Pourquoi la houe, elle est bleue, mais par contre, l'épée en diamant, elle est pas comme ça. Pourquoi les minerais de diamant, c'est comme ça. Anyway, abonnez-vous, sinon je fais une danse. Ah bah, trop tard. Bah, trop tard, voilà. Voilà. Vous avez qu'à vous abonner. Voilà, abonnez-vous. Non mais abonnez-vous. Abonnez-vous. Et d'ailleurs, si vous voulez voir plus de Skyward Duel, vous pouvez regarder cette vidéo où comment gagner à Minecraft sans savoir jouer. Je crois que c'est comme ça que j'ai appelé la vidéo. Ou au début, je fais du classique duel sur PvP Land, mais après, je fais du Skyward Duel. Et voilà, sinon, vous pouvez regarder autre chose. Je m'en fous, en fait. Bye!